Mon cœur est un iceberg, ma tête, non, ma tête est volcan. Mon cœur est un iceberg que ma mère pourrait faire fondre avec une seule de ses larmes. Avec une seule de ses larmes, j'ai rappé ma life, ils m'ont dit que c'était de l'art. Ils veulent pas qu'on avance parce qu'ils savent qu'on les baise. Parce qu'ils savent qu'on les baise, je leur ai vendu la mort, ils m'ont vendu du rêve. La faiblesse des hommes restera toujours les femmes, on cueille toujours les roses, même en sachant qu'elles fanent. Je suis paranoïaque, je fais des pics dans la rue, mais je me méfie des fans. Bonhomme pendu deux, mon public est magique, ils vont bientôt me lâcher, mais j'en ai rien à foutre. Mais j'en ai rien à foutre, on va monter en flèche et redescendre comme la foudre. C'est la guerre entre nous, on a grandi ensemble. Notre amitié a fini ensemble. J'ai tiré dans le noir pour mieux voir où j'allais. Je me méfie des vivants, je me méfie des morts. Un mauvais, qui ont tué Jésus et qui tueraient encore. Ça doit y recommencer, le chiffre a revenu. Laisse pas drainer ta vie la nuit. Son portefeuille est plein mais son regard est vide. Et pop une pilule et rentre dans la matrice. Très gros beat, très gros beat. 514, on est ensemble. Shout out à Montreality. Pour revenir au groupe 514, ça remonte à longtemps, ça remonte vers 2007-2008, je pense à l'époque. La première personne que j'ai connue, c'est Gaz. On allait à la même école, Evangeline, c'est une école secondaire à Cartierville. Et ensuite, moi je me suis fait renvoyer. Je me suis fait renvoyer d'Evangeline. On m'a renvoyé et je suis allé à Lucien Pagé. Là j'ai connu plein de gens à Lucien Pagé, dont MB, on s'est connu à Lucien Pagé. L'année d'après, Gaza se fait renvoyer aussi. Il se fait renvoyer aussi d'Evangeline pour venir à Lucien Pagé. Cette même année-là, White B qui était à Setex se fait renvoyer. Non. T'étais à Setex, non? Non. C'est où? Jeanne-Mance, oh bad, excuse-moi, Jeanne-Mance, c'est vrai. Jeanne-Mance. Il se fait renvoyer, il arrive à Lucien Pagé. Là, c'est là où tout le monde est là, on est à Lucien Pagé. Et là, maintenant, on est dans les mêmes classes, on est ensemble, tout, on apprend à se connaître. Bref, on apprend à découvrir le rap ensemble, au rêveux. Puis c'est ça, on prend en gras, on freestyle, c'était des sessions de freestyle chaque midi, chaque ci, chaque ça. Tu comprends? Je me rappelle aussi quand j'étais retourné au school, puis il y avait des vidéos qui droppaient comme si tôt dans la journée, des affaires de même, moi je suis au school. Comme si les gens sont là en train de « Oh shit, yo, il y a une vidéo qui est sortie hier, bah, là, check les vidéos, les comme... C'est le patiné qui est à côté de nous. check les vidéos, check. C'est comme « Oh, là, yo, après, moi, si ça commence à être hot, là, il y a au school, bro, avec les vidéos qui sortent. Oh, » c'est des grosses questions. Très grosses questions. Disons, moi, fouté comme je dirais Olivier Tom. Après, je sais pas, il y a plusieurs trucs pour de... Qu'est-ce qui m'a marqué? Dessin animé. Dessin animé, c'est quoi qui rentre? Faudrait n'importe quoi. Parce que moi, je suis manga, tout, n'importe quoi. Moi, je suis un gars, j'ai zéro cliqué avec les mangas. Pour de vrai, bro, toutes ces affaires-là. Comment t'as fait Dragon Ball? T'as fait que Dragon Ball? Oh, mon frère, il tripait sur ça. Je filais pas. C'est quoi que tu suivais, toi? Yo, moi, pour de vrai, j'étais un gars Télétoon, les Simpsons. South Park, ça c'est les gens qui ont grandi ici. Hein. Le moment qui m'a marqué le plus, le moment qui m'a marqué le plus, je te dirais, c'est quand Vegeta est devenu méchant. T'en vois avec le M là. Alors, ça c'est le moment qui m'a marqué le plus. Parce que le gars est déjà méchant. Ça va? Il est déjà méchant, il est déjà fâché, bro, 24/7. Mais là, il est méchant, mais du côté des méchants. Tu vois, je dis ou pas? Ça dit là, je suis comme shit. Bon, ce gars-là, là, il va faire des dégâts. Ça m'a marqué plus parce que déjà, Vegeta, moi, je le fais le dire. Gaza va te nommer quelque chose, on a suivi les mêmes. Gaza, il parle pas. Lui, il est déjà comme un manga. Casquette. Juste, tu le vois là, déjà live, là, c'est déjà un manga. Naruto, c'est un gros manga, ça, là. Ouais, on va même pas parler caca sur ça. Non, on parle pas caca. Non, moi, Naruto, je te dirais, mon personnage préféré, c'est Gaara.
Gara, j'aime beaucoup son attitude. C'est ça, c'est pas le patiné de sable. C'est le patiné de sable, exactement. Lui, oh, c'est un gros gars, ce gars-là. Non, mon frère, il y a le jeu vidéo chez lui. Ah, je sais pas, gars. Mais sinon, mon personnage préféré des dessins animés, c'est des mangas, Marvel, whatever. Ça va être Deadpool. Bon, okay. Deadpool, pour Manneke Hellboy. Ça, c'est un grand manga. Marvel. Deadpool, c'est un comique. Il vient de sortir, non? Il est là quand même. Très, très fort. Il est là depuis, non? Là, oui, Deadpool, voilà. Il est là depuis. Mais le film, il vient de sortir. Ouais, film, mais il est là depuis. FIFA. On peut commencer avec ça, non? C'est clair. Mais à l'époque, c'était pas FIFA, c'était. Comment on appelle ça là? PES, c'est un peu plus sur que moi. À l'époque, je jouais à ça. Moi aussi. Tu prends ça au bled là. Ça, c'est sûr, FIFA, bro. Regarde jusqu'aujourd'hui, là, des fois même. Super Smash Bros. For life. Super Smash Bros. Ouais, les classiques, quoi. Mais ça, c'est des gars qui parlent de ça, mais ils sont pas très très. Non, bro. Ils sont pas très très. Ils sont pas très très. Les gars parlent Super Smash Bros. Il est pas très très, lui, là. Moi, je suis un gars très sérieux dans Super Smash Bros. T'es pourri, bro. Je suis un gars très sérieux. C'est tranquille, en tout cas. Moi? Bon, Fox. Fox. Ou l'oiseau, là. Falcon. Falco. Falcon. Falco ou Falcon? C'est Falco, je pense. Ouais. Falco. Ouais. Mais crois-moi, je te tape même avec Peach. Moi, je suis un gars très sérieux dans ce jeu-là. Très, très, très sérieux. Il s'appelle le partenaire là, avec le coup des séries de cales devant moi. Captain Falcon. Ok, ouais, c'est lui. Captain Falcon. Ça, c'est mon gars, ça. Captain Falcon. Oh. Yeah. Alors. Là, c'est pas. Mais Def Jam aussi, c'est un gros jeu. Def Jam aussi, c'est un très très gros jeu. Ah ouais, yo, moi, qu'est-ce qui a marqué ma jeunesse, c'était Street Fighter, man. Mm-hmm. Je jouais tout le temps à ça dans les salles de jeu, man. Ah, plus romantique. On a fait des trucs, tu sais quoi. Aller au resto avec une femme pour sa fête. Il y a des femmes qui vont être déçues, je pense. Bon, Verita. Bon, moi je suis pas un fan de la romance. Et le truc le plus romantique que j'ai fait. Oh, bandit, non? Bandit. T'as mis des fleurs. Oh, bandit, là. C'est bandit. Bandit? Ouais, c'est bandit. Bandit, quoi? J'ai acheté un chien à ma femme, bro. Voilà, ah, tu vois. Mal, ouais, il l'a appelé bandit. Magic. Un beau cadeau. Oh, bon. Amour aussi, je crois que l'amour aussi c'est la tolérance. Après, c'est la tolérance parce que moi, je suis pas quelqu'un de facile, bro. Je suis quelqu'un de difficile quand même. Et je pense que c'est quand je vois les gens qui sont vraiment proches de moi, qui sont là, puis qui m'endurent, puis qui malgré ce que je fais, ce que je vis, ce que je traverse et ce que je fais vivre aux gens, ils sont toujours là, tu comprends? Ça, c'est une très grande preuve d'amour, tu comprends? Parce que ça, à la fin, c'est ça. L'amour, c'est pas juste quand c'est bon, même quand c'est pas bon aussi. C'est là aussi tu mesures l'amour de quelqu'un. Quand ça va mal, tu comprends? Puis la personne est encore là. L'amour, c'est ça. On dit beaucoup que Montréal, c'est une ville de haineux. Ça veut dire que. Il y a beaucoup cette. Je sais pas c'est quoi, j'ai même pas de mots pour déterminer ça. Je dirais pas que c'est de la jalousie parce que il y a même des gars qui. Ils ont plein de choses, ils ont de l'argent, ils ont des femmes, ils ont la santé, ils ont ci, ils ont ça. Ils vont te voir, toi qui as presque rien, mais ils vont te détester. Non, mais c'est une peur de l'inconnu, moi je trouve. Yo, moi j'ai l'impression en fait que partout c'est comme ça, mais ce qui fait que Montréal c'est plus fucked up, c'est que Montréal, bro, c'est petit, mon gars. Ouais. Y a pas beaucoup de gens, tu vois, c'est pas comme aux States. Aux States, il y a des gens qui, comme ça, ils vont hate, ils vont. Mais c'est tellement grand, bro, que comme si ça se rejoint pas comme ils ça. Ils vont essayer peut-être de ville en ville, tu comprends, mais nous, c'est dans la ville, le hate. C'est de quartier en quartier. Et bro, le hate est trop proche, comme c'est on dit. C'est fou, là. Ouais, bro. Non, je veux dire, le hate est trop proche. Lancez-vous, comme là, ça dit, arrêtez de vous mettre dans des petites guerres que des fois les gens, même par rapport, vous avez même pas rapport. Essayez d'avancer, mettez-vous entre vous. Puis c'est ça qui va faire que Montréal, à un moment donné, avoir un nom. Parce que sinon, si chacun reste dans son coin et tout, peut-être il y a un gars qui va être connu, ou deux gars, ou peut-être nous, on va être connu. Mais derrière nous, il n'y aura personne. Puis nous, qu'est-ce que nous, on est en train de faire? C'est comme jeter à l'eau, tu vois. Sérieusement, moi, pour toute la jeunesse, pour toutes les Montréalais, c'est supportez-vous entre vous, organisez-vous, ça c'est pas juste les rappeurs, vraiment organisez-vous entre vous.
Si c'est vraiment chaud du love aux gens, entourez-vous, foncez sur vos projets, soyez pas des dormeurs, laissez pas les gens qui dorment à côté de vous dormir, que ce soit dans la musique, que ce soit dans n'importe quoi que vous faites. Lorsque vous vous mettez sur un projet, mettez-vous pour de vrai. Dormez pas, laissez les gens qui vous disent c'est pas possible, c'est pas ci, c'est pas ça. Faites qu'est-ce que découvrez vos propres expériences à vous. Exactement. La jeunesse, vous devez croire en vos projets, vous devez avoir de l'ambition. Vous devez vraiment, comme Mbé l'a dit, vous devez pas laisser personne dire que yo, vous pouvez pas y arriver, que vous devez vivre vos propres expériences, que ce soit bon ou mauvais. On apprend tous par soi-même, tu vois. Puis parfois on se sent seul, on se sent whatever, ça va mal, etc. Mais il faut rester fort, puis il faut rester entouré, puis des bonnes personnes, évidemment. On s'entend que vaut mieux être seul que mal accompagné, mais tu vois, être bien entouré, puis vraiment croire en ses projets, croire en soi-même, puis foncer, mon gars, faut foncer. Il faut avancer avec des gens qui pensent comme vous, et s'ils pensent pas comme vous, au moins qu'ils supportent la façon dont vous pensez. Tu comprends? Faut savoir faire le tri, faut pas avoir peur de couper les gens, bon. Faut pas avoir peur de couper les gens, parce que ces mêmes gens-là, si vous les coupez pas après, c'est eux qui vont vous couper. Ils vont vous couper dans des vieilles situations, ils vont vous laisser tomber là dans des moments inattendus. Comme les gars ont dit, l'entourage, c'est très très important. Le monde inutile, le monde qui te ramène des problèmes, c'est pas nécessaire. Puis deux choses, on reste à l'école, puis on reste loin de la prison. Puis c'est ça. Petite parenthèse comme ça, tu comprends, j'avais entendu un moment donné, je sais même plus qui a dit ça, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué là durant mon séjour en prison. C'est une femme qui avait dit que la vie fait pas de sens, mais qu'elle vaut quand même la peine d'être vécue. Mm-hmm. Tu comprends? Puis bon, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est vrai, tu comprends, des moments difficiles, tout le monde traverse des moments difficiles, mais à la fin, il faut s'accrocher parce qu'il y a des situations où il y a seulement toi qui peux te sortir de cette situation-là. Il n'y a personne qui va venir puis qui va te sauver d'une telle ou telle façon. Il y a des gens qui vivent pire, mon gars. Puis yo, bro, faut pas s'apitoyer sur son sort. Ce qui fait les vainqueurs des vainqueurs, c'est que bro, t'es là dans l'arène puis tu lâches pas, mon gars. Tu te laisses pas abattre, bro. Peu importe l'épée qui te traverse, bro. Peu importe de la manière que tu te ramasses, bro. Si t'es pas mort, bro, t'es pas mort, mon gars. La vie, elle va décider quand tu vas partir, tu vois. Tant que la vie a pas décidé que tu pars pas, bro, c'est pas toi qui décide ça, mon gars. Yo yo, shout out Montréality, c'est un B sur le mic, 514, vous connaissez les bails. Obligé de cliquer, charlotte à tous mes gars ici, 514. Grosse face à Montréality. Montréality Show. Oublie ça de faire du rap là, tu comprends? Mon père était comme, de toute façon il dit de la merde dans sa musique. Parce que je parle de, parce que je rappais pas Jésus. C'est ça la vérité. Il y a mon père, je te jure. Maintenant, mon père oublie ça. Il me voit, il me dit, oh, ici, yes. Non, non, non. Parce que, ouais, c'est un autre vibe. Mais au début, mon père, il n'acceptait pas du tout.